Les Marseillais adhéreront encore plus à la candidature de Patrick Menotti, c'est ce que je souhaite, que s'ils si n'ont aussi derrière un projet qui va leur donner de, euh, de l'espoir. Et moi, c'est ça que je veux construire. C'est de l'espoir pour Marseille. Je l'ai dit, la fracture nord-sud, pour moi, est une, là aussi une question importante. Mes propositions avant la campagne électorale, c'est les mêmes après la campagne électorale. Donc, je ne vais rien changer à ça. Et personne ne me fera changer. La seule chose que je vais dire au Premier ministre, c'est quels moyens de l'État pour Marseille. Et moi, je vais y aller avec des, moyens, avec des positions de manque très claires. Je veux savoir où on va. Ce n'est pas... pas parce que j'ai rencontré Patrick Menouti euh, hier soir. Et tant mieux, et la discussion s'est très bien passée. Et je serais menteuse que de dire l'inverse. Elle s'est extrêmement bien passée. Je n'ai d'ailleurs jamais eu aucun doute à ce qu'elle se passe bien entre Patrick et moi. Euh, bon, pour autant, euh, ce que je suis en train de faire, d'ailleurs, ça intéresse, ça arrange quand même les affaires de Patrick Menucci aussi. C'est-à-dire... Bah écoutez, s'il si va à la mairie de Marseille en ayant de vrais moyens pour euh, s'occuper de cette ville, c'est quand même mieux.